Bonsoir, Papa Mboukou. Bonsoir, monsieur le journaliste. L'équipe du journal Talatala était venue pour assister, voire même participer à cette grande défense des thèses des deux docteurs qui se sont distingués aujourd'hui. Nous aimerions savoir d'abord si vous voulez vous présenter pour que les téléspectateurs vous connaissent et quelles étaient les particularités de cette grande journée qui a vu deux grands docteurs, Albert et Pierre, défendre leur thèse ici. Oui, c'est un grand jour pour nos deux candidats finalistes en médecine. Et pour ceux qui veulent bien me connaître, c'est M. Mboukou. Je suis secrétaire général administratif AI de l'Université chrétienne internationale, UCI en sigle. Un grand jour parce que c'est le couronnement d'un dur travail que ces médecins ont effectué pendant plus ou moins 7 ans. C'est-à-dire, pour ce qui est de la formation doctorale à l'Université chrétienne internationale, il est bon que je puisse vous rappeler que nous sommes dans le système LMD. Et dans ce système, l'étudiant passe par deux phases avant de défendre sa thèse. D'abord, c'est la phase biomédicale pendant 4 ans. Et cette phase est sanctionnée par l'acquisition des connaissances auprès des professeurs, par des recherches. Et pendant cette phase, il y a aussi des stages qui se font à chaque fin de l'année. Il y a d'abord les stages en soins de santé primaire, il y a les stages en soins infirmiers, il y a les stages en laboratoire, il y a les stages en gynéco-obstétrique. Mais avant d'amorcer le cycle doctoral qui se fait au moins pendant 3 ans, l'étudiant doit passer un examen compréhensif que nous appelons Exadoc, c'est-à-dire l'examen d'admission au cycle doctoral. Là, notre étudiant est enregistré et à l'interne au niveau de l'Université chrétienne internationale et dans d'autres universités américaines qui travaillent en co-tutelle avec nous. Et dans ce cycle-là, l'étudiant suit les cours, effectue des stages et la dernière année, il fait un stage d'une année complète à l'hôpital que nous appelons où il est qualifié comme médecin stagiaire. C'est à la fin de ce stage-là que les médecins, les candidats médecins, doit venir soutenir sa thèse telle que cela s'est fait aujourd'hui. La plus grande particularité, comme ils ont eu des professeurs à l'interne, il y a eu un jury interne présidé par le docteur Lombo. Il y a eu également un jury externe présidé par le docteur Agawal qui est en Inde. Nous avons eu, bien entendu, une difficulté de connexion, mais vous êtes sans le savoir, sans ignorer que ces jurys-là va suivre l'intégralité de la défense de nos étudiants et vont procéder à poser des questions de fond pour que les étudiants qui ont été examinés aujourd'hui puissent être appréciés par les deux jurys. C'est-à-dire, nous allons faire la moyenne des points du premier jury et la moyenne des points du deuxième jury pour avoir la cotation exacte de nos finalistes. Mais à les entendre, vous sentez que ce sont des finalistes compétents, c'est-à-dire ils n'ont pas travaillé dans les laisser-aller, ils ont été correctement guidés, parce que dans notre système, le professeur n'est qu'un facilitateur. L'étudiant est plongé dès la première année dans l'océan du savoir pour s'approprier des connaissances livresques. Et le professeur ne vient que pour tracer des bornes afin de canaliser la formation de l'étudiant dans les limites de sa promotion et faire de lui une réponse aux problèmes de santé qui se posent dans notre pays, en Afrique et même dans le monde. Papa Mboukou, merci beaucoup parce que vous aviez extériorisé tout ce que vous sentez, libre de dire. Les gens vont écouter ce que vous avez dit. Espérons que nous reviendrons pour une page spéciale ici parce que le journal Talatala, Congo News, c'est un grand journal bilingue et puis nous allons vous recevoir en tant qu'invité du magazine pour que vous développez davantage à long et à large cette grande université qu'aujourd'hui a honoré des docteurs, l'un dans la spécialisation en matière des prostates, l'autre sur les traitements des goitres. Avez-vous quelque chose à ajouter pour qu'on mette fin à cette petite intervention? Rien à ajouter, vous serez le bienvenu parce que l'un s'est spécialisé en urologie et l'autre en chirurgie.
Et ce sont deux problèmes majeurs, deux spécialités qui constituent une réponse aux problèmes majeurs de notre pays. Vous serez le bienvenu à la prochaine. Nous parlerons du système LMD. Nous parlerons de la formation du médecin proche des malades, tel que ce qu'ils ont suivi, les paliers qu'ils ont suivis. Nous parlerons également de la formation des professeurs après la licence, qui est la maîtrise et le doctorat, pour que le Congo puisse emboîter les pas avec le reste du monde, avec le reste des pays civilisés du monde. Parce qu'à la fin de la formation des médecins, on doit l'appeler Medical Doctor, MD. Medical Doctor. Alors, nous n'avons pas cette formation ici au Congo, sauf l'ICI qui essaye de former dans ce contexte-là. C'est pourquoi vous trouverez que les médecins formés à l'ICI sont acceptés partout dans le monde. Ils peuvent voyager partout avec leur étiquette de médecin parce que leur formation dans les LMD est compatible avec ce qui est donné dans des pays civilisés. Merci Papa Mboukou. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Docteur Pierre, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous aviez défendu un thème. Les gens vont voir ce que vous avez fait comme défense. Nous aimerions savoir quel était le sujet de votre mémoire et puis quel est le message que vous voulez lancer à la population qui va vous regarder. Merci beaucoup pour la question. Ça n'était pas la mémoire, mais c'est une thèse du doctorat que je vais le défendre aujourd'hui. Mon sujet était la prise en charge médicale du pérétrophie bénin de la prostate en République démocratique du Congo. Alors, quel était l'objectif de cette thèse? Et puis, vous avez un message particulier que vous aviez voulu développer dans cette thèse? Oui. Vite compris, l'investissement de la population et puis le nombre élevé de ces cas retrouvés en RDC, vite compris aussi les coûts qui demandent des fois en plus pour se faire soigner ou se faire opérer pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, vite compris aussi le nombre de complications élevées liées à la chirurgie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est ça qui m'a poussé de chercher à savoir est-ce qu'il y a des moyens à éliminer cette maladie par une méthode médicale? Et résumant, Dieu a fait grâce, on a trouvé des solutions que je conseille aux populations de la RDC, pourquoi pas dans le monde entier. Quand vous êtes à l'âge de quinquagénaire, c'est-à-dire quand vous atteignez l'âge de 50 ans, il vaut mieux d'aller auprès d'un médecin, un spécialiste ou un urologue de te faire dépister. Si vous êtes candidat ou victime de cette pathologie, c'est mieux vous de te faire soigner avant l'installation des symptômes, avant la complication de cette maladie, puisque l'hypertrophie bénigne de la prostate c'est une maladie mortelle en cas où il y a l'absence de la prise en charge immédiate. Quel était le nom de l'université que vous aviez fini? J'ai terminé à l'Université chrétienne internationale, ICI en cycle. Merci beaucoup, Docteur Pierre. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous n'avions pas posé? Bon, à part à conseiller aux hommes que je demande d'aider à présent, s'il y a moyen de se faire consulter avant, c'est-à-dire de se faire checking, avant même la présence des symptômes liés à cette maladie, ça sera mieux de pouvoir donner aux gens la possibilité de se faire soigner à moindre coût et le taux de guérison sera élevé. Merci beaucoup, Docteur Pierre. Merci beaucoup.
femme d'affaires, homme d'affaires, commerçant, vendeuse, vendeur. Pour vous tous qui avez quelque chose à vendre et à acheter, venez vendre ici dans cette émission. Nous donnons l'espace à vous tous qui faites le business. C'est pour maximiser vos recettes, c'est pour maximiser vos commerces, c'est pour maximiser vos ventes. Venez vendre dans Pomo Plus. Pomo Plus, c'est pour vous, c'est votre espace pour la vente de vos articles, de vos services et tout ce que vous avez. Pomo Plus égale plus de promo. Nanazo Tekanini, Nanazo Somanini. Les rendez-vous d'achat et de vente sur Talatala ya Congo. Promo Plus, Nanazo Tekanini, Nanazo Somanini. Promo Plus égale plus de promo. Tata ya Congo. Watch them. They are amazing, and he does such an amazing job with every single video that he does. Thank you so much, Sarah. Thank you. Même l'équipe qui nous filmait, tout savoir, non, il était au top, il sait vraiment comment faire. Il a vraiment manié de la façon dont que la chose est, il en plaire. Vraiment, c'était bien passé. Même les juges étaient contents. Tout a été bien passé. La salle était animée. Voilà. Dans vos situations, manifestations, tout savoir est là. N'hésitez pas. Ça, je suis sûre de lui. Les images, waouh, très bon. Vous abonnez pe na chaîne ya solo solo babita la tala Congo nde babin number 1 ba chaîne ba YouTube donc bangonde babanti makam taka ba image donc ya tala bobenga bango tala Congo news donc soko de vous activité na yo problème wana ngo matanga problème fête. Vous avez un peu de temps pour vous dire mariage na yo et vous avez un orphelin. Donc, s'abonner à Talatala News Congo. Vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu. Donc, c'est Talatala TV. Bisous. Vous avez un peu de temps pour vous midi, bonjour. Après-midi, Orlando Biso, bonsoir. Donc, vous à la Penda. Bienvenue dans Talatala TV. Pour l'émission, pour le programme, tout et tout, vous allez de suite. Bisous. Talatala, la cité, il y a combien? Il est Talatala. Vraiment, Talatala, c'est quoi? Donc, dans ce monde, on a changé. Ce qu'on a dans le miroir, il y a Talatala. Au moins, on a pu bilonger changer. Donc, on a Zali, on a Sengo pour le journal. Talatala, comme un biblié. Qui n'y est biblié? La bombe de vérité, Wally. La gamme de monde, Wally. Talatala, comme un biblié. Wally, 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 W
Tu as la comme Bible.